Jouer ensemble, chacun avec ses capacités, chacun à son rythme, le tout avec un mot d'ordre, prendre du plaisir à être ensemble. C'est l'état d'esprit que l'association Balade entend insuffler à tous ceux qui la côtoient. Présidée par un duo de choc, Perrette et Jean-Claude, l'association Balade se veut créatrice de liens sociaux et d'ouverture culturelle. On fait des ateliers de musique là où les autres n'en font pas, s'arrêtent un peu, hein, puisqu'on fait des ateliers où on ne sélectionne pas les publics et on va dans les lieux de vie de gens qui n'ont pas accès aux écoles de musique et aux institutions d'enseignement de la musique classique. C'est principalement donc dans des banlieues, ce qu'on appelle maintenant les quartiers prioritaires de la ville, dans des aires de gens du voyage, chez des jeunes Roms. On va aussi débuter chez des personnes âgées qui ont aussi un petit peu du mal à se mixer par rapport à leur environnement. Ici, en bordure de Strasbourg, ce sont près de 30 familles, Roms pour la plupart, qui vivent dans des caravanes. C'est un espace transitoire d'insertion géré par la ville et la Croix-Rouge. Tous les mercredis, Jean-Claude y fait sa tournée des caravanes avec plus ou moins de succès. Qu'à cela ne tienne, les 3 ou 4 enfants présents sont les plus motivés. La petite Larissa écorche un peu son violon, mais elle s'amuse beaucoup et ne raterait l'atelier musique pour rien au monde. Ici, pas de partition ni de cours magistral, l'apprentissage se fait en douceur, à l'oreille. C'est la spécialité de Jean-Claude, lui qui a été formé dans un conservatoire à la musique classique. Il a découvert et développé une pédagogie particulière. Quand on travaille avec des enfants très différents, il faut faire exercer la mémoire. Si je leur donne une partition, déjà ils ne savent pas lire, ou même on ne sait pas lire du tout, ou alors il faut apprendre, donc c'est déjà un obstacle. Mais si on apprend la note en disant par exemple mi, fa, sol par exemple, ou la, sol, sol, c'est imprimé dans la tête, mais ce n'est pas visualisé, matérialisé. En disant les notes, on s'en souvient. Et si on dit les notes, on peut jouer sur un autre instrument. 3, 4, do, chut, la, chut, dis les notes, ré, sol, do. Les enfants qui participent à ces ateliers sont en tout cas conquis. J'aime venir pour chanter et pour jouer aussi. Ce que j'aime, c'est trop bien. Parce qu'ici, c'est tous les copains. Ici, tu chantes avec eux tous. Les vendredis soirs, l'association Balade investit le centre socio-culturel de Cronenbourg. La musique y est présente partout. Chaque instrument dans une salle, chaque salle avec son animateur ou son professeur, pour une phase d'apprentissage en petits groupes. Ces jeunes adultes, tous musiciens, ont suivi Perrette et Jean-Claude dans l'aventure de Balade et ils ne regrettent pas. Je suis assez attaché aux valeurs humaines de l'association, la transmission de musique dans un premier lieu, mais aussi de fraternité, d'espèce d'émulation collective où on se transmet plein de choses au-delà de la musique. I'm really happy because every time we see that children are happy to work with us, that makes also us happy and to do something better for the whole community. C'est des endroits où ils peuvent avoir une place, où ils peuvent s'exprimer quoi, sans peur de légitimité. Enfin, Louis, avant qu'on commence l'accordéon, je sais qu'il y avait des fois quelques petits problèmes à l'école. Enfin, genre, voilà, c'était, des fois on se moquait de lui ou je sais pas quoi. Dès qu'il a commencé à faire l'accordéon, plus personne ne se moquait de lui en fait. Hein, c'était direct quoi. Ça veut dire que c'est un endroit où on peut s'exprimer, où il peut y avoir une certaine légitimité à qui que ce soit. Sans aucune forme de problème, et puis ça contribue à son développement aussi à lui.
La musique permet, c'est sûr, à certains enfants de s'épanouir. Malgré mes difficultés, j'aime bien partager ce beau moment, ce moment joyeux avec tous les camarades. Et surtout, j'aime bien faire de l'accordéon avec mon chef. Avec son répertoire de morceaux folkloriques de toute l'Europe, Jean-Claude Chauchecan a fait de balades et de ses ateliers une tour de Babel musicale. Ce qu'il y a d'assez intéressant, c'est comme on joue beaucoup de musiques différentes, on trouve dans les cours des enfants, des enfants qui viennent d'Albanie, qui sont gitans, viennent du Caucase, un peu de l'Europe. Et puis des gens qui sont nés en Alsace. Et quand on joue, il n'y a pas de différence. Ils jouent. Et quand ils ne savent pas bien, ils apprennent aussi le français, parce qu'on lui dit « non, tu t'es trompé là », ou on lui dit le mot exact qu'il faut pour tenir l'archet ou pour dire une note. Et le langage, il est universel. Ce langage universel, les jeunes le présentent régulièrement au public lors de concerts, où la joie se transforme en vibration, en émotion commune.